Eh bien salut tout le monde, c'est L2O. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro combien? 3 ou 4, je sais même plus. De Outlast. Donc je sais même plus où on est, je crois qu'on était dans une espèce de... Dans quoi? Dans un tunnel? Je crois qu'on était dans les égouts d'ailleurs. On va vite voir. J'éteins la lumière, comme ça je vais me mettre bien dedans. Bon, il doit être quoi? Il est 2h du matin là, je crois. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pas trop flipper. Je sais même pas à quel stade on en est dans le jeu. Ok, ouais, on est bien dans les égouts. Ça bouge. Comment on joue? Comme ça. Ah, c'est mes pieds qui font du bruit. Trop de lumière, tue la lumière. Non, 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 reprends, reprends. On sait jamais. Oh, j'ai plus de piles, t'es sérieux? Ça tombe toujours au bon moment ce truc, hein. Et bien sûr, ouais, voilà, j'en ai pas. Oh, putain, je suis dans le caca! Non, c'est pas cette touche. C'est croix, voilà. Faut que je me remette dans le bain un peu. T'as plus de tête? Non, t'as plus de tête. Si t'as plus de tête, tu peux pas me faire peur. Oh putain, la lumière du jour! Qu'est-ce que j'aimerais être au-dessus? Qu'on en finisse. Je sais pas si t'es vraiment mort ou pas, toi. Rien derrière toi. Coucou mon chou. D'accord. T'es au courant que t'as des dessins bizarres sur le corps? Je pense pas que ce soit tes abdos, ni même ton torse, ou ton téton peut-être, je sais pas. Mais si c'est ton téton, t'es bizarrement formé car t'en as 1, 2, 3, 4... Bref, on va pas s'attarder sur toi. Je suis persuadé que je vais me faire choper par derrière. Je prie pour pas que ce soit ça en fait. Arrêtez de faire du bruit pour rien. Oula, fais un drôle de bruit mon perso. Du genre tu vas te faire niquer. Bon, j'ai le choix entre la lumière ou... C'est quoi ce vieux pourri là? Ouais non, je m'y suis toujours pas habitué. Sur ma dernière vidéo, j'ai dit que je m'y étais habitué à ce jeu, mais pas du tout. Ça me fait flipper encore et toujours. Des piles. Non, pas de dossier, je m'en fous du dossier. Je fais des piles, putain. Je suis court de batterie. Bon. Déjà on a fait le tour ici. Maintenant je sais qu'il faut passer par là-bas. J'ai peur. Non c'est bon, il y a personne derrière. Évacuer l'eau en actionnant les deux vannes. J'aurai des piles avant. Je n'évacuerai rien du tout tant que j'aurai pas trouvé des putains de piles. Oh merde. Oh merde. Oh putain con. Oh couillon. Vite. Vite. Putain gros couchon. Il est parti où? Allez c'est bon, j'ai ma dose quoi. Mais je crois que j'ai coupé le son de ce jeu. Ça m'horripile. Je sais pas où il est parti, putain. C'est qu'il faut descendre là-dedans et du coup il faut vider toutes les caisses. Et
6 gros cochons me chopent. C'est fini pour moi. Et où c'est que je peux me cacher? Putain, il est descendu de là, gros cochon. T'as pas des piles pour moi? Oh! Putain, suffit de demander. C'est magnifique ce jeu. Non, en fait non. J'irai pas jusqu'à dire ça. D'ailleurs. Mais où? Oh putain, ça peut flipper. Et je me trompe beaucoup trop. Oh putain, gros cochon. Non. Oh putain. En plus, ça me stresse, putain. J'ai déjà la boule au ventre, quoi. J'ai envie juste de commencer, j'ai déjà la boule au ventre. Je suis où? Prison Block Crane. Fait mal. Hein? Ward, ward, ça veut dire quoi? Pourquoi il écrit femelle? Bon, on va pas chercher à comprendre. Ah, c'est ça. Ça va être l'eau chaude, l'eau froide, ou j'en sais rien. Oh cochon! Tu ne m'as pas vu, tu ne sais pas que je suis là. T'occupe pas de moi, voilà, pars. Pars. Et ne reviens jamais. Si possible. Faut que je retourne là-bas. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a partout. J'ai vu son ombre. Prends, 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 mais ramasse! Mais c'est quoi ce jeu de merde? T'es parti où, gros cochon? Enfin bref, rien à foutre. Moi je pars par là. Alors ici c'est pour se cacher. Je le sens gros comme une maison, je tombe nez à nez avec lui. On saura même pas pourquoi je tombe nez à nez avec lui. Drainval. Nickel. Des casiers, encore mieux. Un petit truc avant que j'actionne et qu'il vienne me bouffer. Toujours pour ma gueule ça. Jamais de pile. Une. Merde, merde. Il est où le casier? Ah. Il vient pas me chercher, c'est pas comme si ça avait fait du bruit ou je sais, ou je ne sais quoi encore. Il va bien venir là. Oui, je suis pas fou, je l'ai bien vu. C'est lui que j'entends. Hop les... Ah. J'adore jouer à chat avec toi, tu n'imagines même pas. S'il te plaît, va-t'en, c'est bon, cette blague elle me fait plus rire. Je sais très bien qu'à chaque fois que je me cache dans un casier, tu vas ouvrir la porte d'à côté. Pas besoin de me prendre pour un con. Putain, je te jure. En plus, il joue avec mes sentiments, quoi. Aucun respect, le type. On va attendre qu'il s'en aille un peu, là. Je l'entends encore marcher, ça me plaît pas. Vas-y, pars. Pars loin, très loin.
cochon. Tu ne veux plus de moi. Pars. On va y aller petit à petit. Sinon, je vais faire une crise cardiaque. Le truc, c'est qu'il marche lentement en plus, ce gros cochon. Il est parti où? Oh. Une entrée secrète. Ouh, une cachette plutôt. Donc si j'ai bien compris, il faut attendre que le gros cochon repasse pour que j'aille à gauche. Bon bah les gens. De toute façon il est pas loin. J'allais vous dire qu'on allait avoir une petite discussion ensemble. Pourquoi faire passer le temps, mais... Je crois qu'il commence à être impatient, il bouge un peu plus vite qu'avant. Il a envie de me bouffer le cul. Ah. Vas-y, casse-toi, fais-toi plaisir. T'arrêtes surtout pas. Voilà, c'est bon. T'as passé tes barreaux, tu vas pas refaire demi-tour maintenant. Ce serait une perte de temps. Hop. Nous on va pas courir sinon l'autre il va nous entendre. Bon alors. Là il y a une petite roue. Et là il y a quoi? Ok, le petit trou c'est juste pour aller là. Ah, j'aime être protégé. Pourquoi je le sens mal? Non, c'est bon. Et les piles c'est en option? J'ai eu une sauvegarde, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose de méchant et que je vais certainement crever comme une merde. Peut-être même comme une grosse merde. Derrière moi ou devant moi? Devant moi. Oh putain. Ouais, vas-y, je te bug. Ah, comment je le troll, le type, comment je le troll. On va attendre un petit peu quand même. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais... plus. C'est bon, j'ai ouvert les deux valves. Il reste plus qu'à plonger. Yeah, motherfucker. Je t'ai pécé. Oh putain. Il va passer sa tête au-dessus, j'en suis sûr. Non, même pas. Ou sinon, je vais me faire choper les pieds par en dessous. Oula, caméra. J'ai plus de piles dans un moment pareil. Putain de cadavres partout. Censé être rassurant, hein? Allez. Et voilà, ça y est. Ma caméra me lâche. Toi, tu vas te réveiller, tu vas me choper par les cheveux, tu vois. Oh, que j'aime pas ça. Lucien. Oh non. Oh my god. Putain.
putain. J'y vois rien. Je suis ce mur. Il y avait un truc qui brillait tout à l'heure. Au fond. Pourquoi il brille plus? Alors là, même s'il y a des piles, je les verrai pas dans tous les cas. C'est génial. Il y a une échelle ici. Il y a un mur ici. Oh oui, de la lumière. Non. Enculé. Mais putain, j'en ai marre. Et là, tu vas le voir avec une tronçonneuse, il va arriver à faire... Boum. Dans ma gueule. J'aime pas ce bruit. Bon, le mec qui était à côté, enfin qui était là, il est plus là. Oh, il y avait mes piles ici. Bon, ça c'était avant. Sauvegarde. Ah, j'aime les sauvegardes. Ça m'évite de retrouver tous ces... tout ce que j'ai fait avant et qui m'a fait tellement stresser. Je regarde quand même dans les grilles en dessous parce que j'ai peur en fait qu'il y en ait un. Va-t'en s'il te plaît, me fais pas chier. Pourquoi je le vois plus? Il était là sa lumière. Des piles. Oh oui, deux paires de piles. Ça veut dire que je vais subir un épouvantable moment dans le noir. Je prends ma respiration, je me prépare mentalement. Attends, quelques petites claques. Là, ça devrait le faire. J'ai pas envie. On prépare ça. Tamir, qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi, tu sais encore qui est réel? Le docteur est mort, tu le sais, hein, le docteur. Il était déjà mort avant de venir travailler ici. Quel genre d'expérience peut faire un docteur mort sur des patients? Mec, on dirait Frankenstein. Oh putain, t'es encore plus moche quand je mets ça. Juste au cas où. Rien à ramasser. Personne à poutrer, rien. Et t'es au courant que ta cachette elle sert à rien. Oh là là. Je les sens mal, je les sens mal. Les gros cochons, il va me trancher comme un... Oula. Changement de couleur. Mal world, female world. Bon. En général, les femmes sont plus douces, donc on va prendre le female. Ok. On va prendre le mâle. Ah bon, je vais pas gaspiller mes piles parce que je sais très bien qu'après je vais râler parce que j'en aurai plus. Putain. Encore vous avez de la chance parce que je pourrais crier comme un gros porc pour vous faire peur en même temps, tu vois. Pendant que vous regardez le gameplay. Franchement ce serait drôle. Je crois que je vais le faire à un moment donné. Juste pour délirer. J'aime bien visiter.
C'est des boyaux ou c'est une corde? Je préfère pas savoir. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ah non, c'est un morceau de tissu, non, un morceau de boyau encore. Ouais, c'est des intestins. Ça y est, ça commence. Ça va être tout noir. Culé. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui est écrit sur ce panneau? J'ai peur d'avancer en fait. Malworld. Ah ça y est, la manette qui commence à bugger. Ça va pas me plaire ça. Ouh. Bon, il n'y a pas écrit carré, ça veut dire qu'il faut pas ouvrir. Bon, on va essayer quand même parce qu'il doit y avoir quelqu'un dedans qui va nous parler. Eh ben non. En général, quand t'as une porte fermée comme ça, y'a toujours quelqu'un derrière pour dire « Je me cache, laissez-moi tranquille. Je veux pas mourir. » J'aimerais bien me cacher avec eux, mais bon. Ils sont pas coopératifs. Oula! Au pif, je suis droitier, je passe à droite. Et je suis sûr que c'est ce qu'il fallait pas faire. Parce que ça, ils ont dû y penser, tu vois. Non? Putain. Il y a un gros cochon qui s'énerve. Ramène au même endroit j'imagine. Bah, sauf qu'il y en avait un endroit qui était bouché. Il n'y avait rien de l'autre côté. Donc comme je disais, ils y avaient pensé, le côté droit, c'était le bon. Sauf que moi, je disais que ce serait pas le bon, que ce soit là où je me ferais bien niquer. Pas de pile, que dalle, deux portes. Celle-là on peut l'ouvrir. Ok. Choix décisif. On va prendre... Putain, je la sens mal, je la sens mal. Putain, t'es mort! Pourquoi j'avais raison? Si je m'approche, il me tue. Je sais pas s'il y a eu une sauvegarde. Ah non. Pourquoi faut-il toujours que je me cours et que je tombe sur le mauvais endroit quoi? J'en ai marre. Pas un petit fusil à pompe là par terre? Ça m'a fait peur. Oh putain. Tout ce que je sais c'est qu'on peut se cacher par là. Et que gros cochon il passera pas. Oh! Oh! Mon dieu! Quel chanceux que je suis! Dap! Petite lumière là-bas. On va passer à ça. Parce que quand la lumière tremble, ça me fait encore plus flipper. J'entends marcher ou c'est quelqu'un d'autre?
C'est ça que j'aimerais savoir. Je peux pas me baisser hein. Avant de m'enfoncer dans la gueule du loup, je préfère regarder comme ça. Là je peux aller un peu plus vite quand même. En courant. Hop. Allez on y va. J'y suis plaît, j'ai appris mon souffle. Quand tu veux pour monter. Mais... peut-être passer par là. Toi j'espère que t'es véritablement mort parce que sinon ça va me faire gueuler. Faire stresser quelqu'un, le faire jouer à Outlast à 2h du matin dans le noir avec le son bien fort et des trucs qui tombent du plafond. Putain. Ah, je me cours de bouton putain. J'ai presque plus de batterie encore une fois. Non, ça commence à trembler. J'ai toujours pas fait gaffe s'il y avait une sauvegarde ou pas. Il y a ma caméra qui bug. Enfin, mon joystick. Ma manette. Arrête de bugger. Là que je flippe. Ah, comment bien nous faire flipper, nous fout dans une pièce qui est immense avec une seule pile. Oh non. Oh non, je vais me faire bouffer. Putain, il est là. Oh putain, il est vers moi. Je peux me cacher plus loin. Fais demi-tour, je t'en supplie. Je le vois pas, je sais pas où je vais. J'ai trouvé la sortie. J'ai trouvé la sortie de ce trou de balle infernal. Vas-y. Oh non. 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 Tout sauf ça. Il pleura pile. Gros cochon. J'ai plus de piles. Mon dieu, j'ai plus de piles. Non. Oui, il me reste plus que faire ça là où les game beast to fly. Hein. Putain, il est pas loin en plus. On trace tout droit. Je croise les doigts pour pas me faire bouffer. Hein ? Je sais pas où il est, je crois qu'il est à gauche. Si je le croise... Oh,
mon souffle parce que je le sens beaucoup de maison. Non. PD. J'en ai marre. Ils ont intérêt à me foutre des piles. Parce que sinon... J'y pète une dorite. Bah, t'es sérieux? J'ai pas de piles pour rentrer là-dedans. Si quand même. Donc tout à l'heure je suis allé vers la droite. Il y a déjà gros cochon pas loin. On va attendre un tout petit peu. Oh putain. Bon, il doit sécuriser le périmètre où il faut sortir, du coup ça va être tout droit là-bas. Je suis presque sûr. Putain, manette. Arrête. J'ai dit arrête. Oh, elle est chiante. Oh, mais c'est celle où j'étais tout à l'heure, ça. Putain, j'ai peur qu'il me chope les pieds, quoi. Il y a genre mon loup en plus qui est juste là. Oula, ça a bugué en plus. Putain, il m'a fait peur là. Oh fils de pute. Il arrive d'un seul coup derrière moi là, il m'a foutu un grand coup de latte. Je vais faire gaffe ce voici parce que... C'est pour me reprendre un coup de latte. Putain, comment il m'a surpris. Oh là, j'ai cru faire une crise cardiaque. Là j'ai... Je comprenais plus rien à la vie. Ce couloir est extrêmement bizarre. Arrête le manette. J'imagine que celui-ci vaut mieux pas le faire chier. Je crois que c'est celui qui m'a mis un coup de latte.
Putain, mais... j'ai des mini freezes. Pas de pile avant que je m'aventure dans le néant de cette mare de sang là, con qui va encore me faire faire des crises monumentales quoi. Toujours plus en jeu, putain. À fond parce que là je sens qu'on va en avoir besoin. Putain que j'aime pas ça, je préfère foncer tête baissée maintenant parce que moi j'en ai marre. Sauvegarde. Yeah motherfucker. Oh, c'est quoi ça? C'est la première fois que ça me le fait. Peut-être une cinématique, j'en sais rien. Sinon, juste un bug du jeu. Un bug de jeu. Ça, par contre, c'est un bug de manette. Et ça m'emmerde. Je suis rejoignais le rez-de-chaussée de l'île des hommes. Et il y avait quoi en bas, alors, là-bas? Je trouve il y avait des piles donc je vais aller vérifier quand même. Arrête! Oh qu'elle est chiante. Ah. Ah d'accord. C'est génial. On est tous contents. J'ai commandé une nouvelle manette donc vous inquiétez pas. Les bugs comme ça, c'est fini. Oh. Bon. Là je vais me faire choper par les pieds. Heureusement non. Oh putain. Moi qui fais ça. Oh. Bon, apparemment il s'en fout de moi lui. J'aime bien vérifier avant quand même pour pas qu'il me saute dans le dos, tu vois. Mais avec un peu de chance, il va le faire quand même. Mais bon, il l'a pas fait. Non, porte. Porte cachée, ça dissimule quelque chose. Une manette qui bug, ça t'empêche de dissimuler la chose. Putain, ça décrédibilise tout le gameplay, la manette qui bug. Et du coup, ça me fait penser à autre chose, et du coup, ça me fait moins stresser. Du coup, ça a quand même du bon. Carré pour juste fermer. Ok, ça sert à rien cette pièce. Peut-être pour se cacher plus tard. Arrête. Allez, tous ensemble. 1, 2, 3, je les cale sur tout le mur. Putain, j'en ai marre. Sérieusement, c'est impossible de jouer avec un truc pareil. Vous imaginez sur un Call of? Ah, oh putain. Mais comment un gros porc comme ça autant trembler le sol. Il arrive par ici ou... J'aimerais bien savoir où c'est que je pourrais me cacher. Ok. Alors avant de se faire bouillave, hop.
Il y avait aussi un autre truc là. Cadavre, tu me gênes. Ok, on va s'échapper par là. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore là-haut? Un truc bien rassurant, j'imagine. Ah non. Ah, il nous avait dit qu'il fallait... Attendez, je re-regarde. Rejoignez le rez-de-chaussée de l'aile des hommes. Ça doit être par là-haut. Il faut que je chope la clé par là-bas, alors. Ah bah non, ils m'ont pas dit qu'il fallait la clé pour ouvrir. Eh ouais. Tu vois, la porte va s'ouvrir en grand sur ma gueule et ça va faire... Grande bif, même pas. J'aime bien prévoir parce que ça m'évite de faire des trucs comme tout à l'heure quand je me suis pris un coup de latte. Voilà, c'est par là. Là où qu'il faut aller. Et donc là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu quand même, j'ai peur et tout, mais je m'aventure, hein, juste pour vous montrer. Je fais pas mon enfoiré. Ok. Ça sert à rien du tout. Il y a une lueur là-bas au fond, mais je sais pas quoi c'est. Enfin, je sais pas ce que c'est. J'espère que vous m'entendez bien quand même dans le gameplay, parce que j'avoue que je parle pas très fort. En même temps, c'est que je suis un peu concentré et... Quand il est rentré, il a tapé un grand coup de stress, mon perso. J'aime pas trop beaucoup ça. Moi. Lui, il va me sauter dessus. J'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. Passé, ok. Je sais pas ce qui branle. En tout cas, si j'ai bien compris, en gros, le docteur qui tenait cet asile est mort. Il est revenu d'entre les morts et il a fait chier les vivants pour qu'ils deviennent morts. À peu près comme lui, quoi. Plutôt cool, hein. Sympa le docteur. En tout cas, il a pas l'air en bon état celui qu'on entend. Je sais pas si c'est lui. Et la porte? Non plus. Caméra de merde. Il doit y avoir des clés quelque part où je sais pas. Non. Le mec qui tousse là. Ah mais il est pas tout seul en fait. Ah, j'aime pas ces bruits, c'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'on doit faire là? J'ai l'impression qu'il n'y a rien nulle part. Ah si. J'avais pas vu.
là-haut qu'il faut aller. Je déteste ce rôle. C'est franchement atroce. Oh putain. C'est le seul truc que j'ai trouvé à faire. Comment je fais? Il y a rien de toute façon là-bas. Ouais, il doit pas falloir aller là-bas, il doit falloir aller là. T'as 300 ans pour trouver quoi. Non, oh, fallait juste se mettre sur le bout du lit quoi. Ça me stresse tellement que je me range les ongles quoi. Et je vois que ça rec depuis 1h12. J'espère que c'est pas la vraie heure quoi, parce que sinon ça fait un peu trop long quand même. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Non. Vite. Brouille-toi. Brouille-toi. C'est que je peux aller. Chercher des objets que... Ah, j'ai plus le temps. Ah putain, je suis mort. Oh putain, ils sont 46 sur ma gueule. C'est une battle royale. J'ai plus à quelle heure on a commencé le gameplay. Faut jouer quand même. Non, attends. Start. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là. Moi, je vais quand même continuer. Je vous fais le deuxième gameplay. Et je vous proposerai pas parce que sinon, ça va être trop long pour vous l'uploader. Ça va mettre une journée pour mettre une seule vidéo. Donc, moi, je vous dis à plus. J'espère que ce let's play vous aura plu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez les vidéos si vous l'aimez. Et ciao tout le monde. Elle est où ma télécommande? Je suis désolé, ça fait complètement con, mais elle est où ma télécommande? Je suis vraiment dans le noir, du coup j'y vois rien. Là, voilà, allez, ciao tout le monde.